Est-ce qu'on peut vous parler de... N'attendons aucune aide de leur part. Mieux vaut chercher la taverne dont a parlé Sindri. Espérons qu'ils vont les entrer. Ces bâtiments sont vraiment incroyables. Est-ce que c'est une statue d'Odin? Ils doivent vraiment bien l'aimer. Ou le craindre. Sindri, bonjour. Moi, je ne suis pas surpris. Je savais que vous seriez ici. J'ai quelque chose pour vous. Qu'y a-t-il, nain ? Je suis content d'être revenu ici au moins une fois avant le Ragnarok. Oh, si ces dalles pouvaient parler. Elles auraient des bouches. D'horribles bouches puantes. Tu permets que je jette un œil à ton arc? Pouh, il y a longtemps que t'aurais dû changer tout ça. Tirer parti de la sensibilité structurelle. Aouh! De certains matériaux aux vibrations sonores est quelque chose que je rêve de tester depuis un bon moment déjà. Merci de... d'essayer sur mon arc. Que vas-tu faire cette fois? Patience! Je trouve qu'il est mieux de voir ces choses... de ses yeux. Ouh. Oh. Voilà. Tire donc vers cette arche-là. Mais avant de décocher, dis... Scalfa. Je ne m'attendais pas à te voir réveiller la moitié des affreux rampants de Nissa. Comment aurais-je pu savoir qu'il serait là? À droite! Attention! Maintenant, hurle. Sindri, tu sais où se trouve la taverne? Ai-je l'air d'avoir déjà mis les pieds dans une taverne crasseuse? Ces égouts que vous venez de découvrir me paraissent être une bonne piste. Suivez-la sans moi. Vous devriez pouvoir rejoindre l'autre côté de la ville. Tu y trouveras d'autres portes à cogner. Tu as besoin de quoi? C'est vraiment de notre faute si la cité est bouclée? Oh, ça oui. Odin tient le royaume d'une main de fer, si bien que tout intrus est considéré comme une menace. Je reconnais bien là le vieux corbeau. À la prochaine fois!
appartenait à l'un des rebelles, n'est-ce pas? Que puis-je faire pour toi? Faire mal. Je suis, comme toujours, à ton service. Un autre poème de Kvasi. Un espion à plume de moins. Bonne chance. Tout intrus sera considéré comme une menace. C'est pour protéger les nains? Ça y ressemble. Mais connaissant Odin, il a probablement un motif caché. Ben, ici aussi, tout le monde se cache. L'emprise d'Odin sur ce royaume est profondément ancrée. Mais on ne voit aucun garde patrouiller. Nous ne sommes pas une menace. Pourquoi se cacher? Résiste, et tu serviras d'exemple pour dissuader les autres. L'instinct de survie peut prendre le pas sur le courage, aussi brave soit-on. La peur les préserve du danger. Derrière toi, regarde. Ça pourrait être ça, non? On ne dirait pas une maison. S'il est là, il vaut sans doute mieux que vous me laissiez parler. Toi. L'idée n'est pas de l'intimider. Tu es plus grand qu'un arbre et tu balades d'une tête coupée à ta ceinture. Il n'y a pas de mal. Mais il a raison.
Très bien. Est-ce que c'est lui ? Bonjour. Méfiez-vous. Apparemment, il y aura des intrus. Ah, c'est nous, je crois. Eh bien, si vous comptez me tuer, laissez-moi au moins finir cette chanson. Cette alarme avait pile la bonne tonalité. On cherche seulement un ami. Il s'appelle Durlin. Je sais que c'est pas possible. Durlin n'a plus d'amis. Mais si c'est ce que vous voulez, passez par derrière, là, et vous verrez l'office de sûreté de l'autre côté de la rivière. Mais tâchez d'éviter de nous causer des ennuis. Et pendant que vous traversez le royaume, tâchez donc de réparer la pagaille de la tête. Quelle pagaille ? Plus tard, mon frère. Parle-moi de cette pagaille. Les tours dans la baie. Pourquoi ne pas demander au crâne arrogant ? La tête ! J'ai de la peau. Mais c'est vrai, j'ai fait une erreur. Il faudrait les arrêter. Bombe de feu de la militante en chef dans la rébellion de Durlin contre Odin. Très ingénieuse, jusqu'à ce qu'elle opte pour des méthodes de résistance insubtiles. Yeah, fuck.
un équipement spécial pour utiliser ça. Pardon, une dernière chose. Remarquez, ce sont des cadeaux que je vous fais. Je ne devrais pas dire pardon et vous devriez dire merci. Enfin bref, tiens, et sois prudent. C'est magnifique. Merci, Sindri. C'est vrai que c'est beau, n'est-ce pas? Et très pratique aussi. Tu trouveras tout ce que ton cœur désire avec ça. Vraiment? Si ton cœur désire les lieux où ton père et toi avez décidé de vous rendre ensemble, alors oui. C'est une boussole. Ah, mais une magnifique boussole. Maintenant, filez. Bien. Il nous faut un bateau. Tout à l'heure, Sindri semblait dire que Durlin était une sorte de chef rebelle.
Je n'ai pas l'impression qu'il soit très suivi. Était. C'est là toute la nuance. Il y a un édifice après ces rochers derrière moi. Nous devrions nous en approcher. Ah, ces maudites tours de forage. C'est quoi ces tours ? Le Skald a raison de m'en vouloir. C'était mon idée. Si tu as le temps, elles sont dans la baie au bout de ce tunnel. J'apprécierais que nous nous occupions des tours de forage du lac à droite. On voit leur panache de fumée d'ici. Si tu n'as pas envie d'explorer pour l'instant, Durlin semble se trouver après cette porte ouverte, à gauche. Alors, par où on va ? On peut se préparer encore avant de sauver Tyr. À toi de voir. Mimir ! C'est toi qui as fait construire toutes ces tours ? Odin voulait avoir les nains sous son contrôle et... Eh bien, je l'ai convaincu d'acheter leur allégeance plutôt que de l'exiger. Un accord commercial, en quelque sorte. Pause avant d'aller voir Durlin. Tu fais bien. Il peut être excessif. Ah ! Une des tours de forage est ici. Tu vois la fumée au-dessus de nous ? C'est là que nous allons. Voyons si nous pouvons l'arrêter. Oh, il y a tant à explorer ici. Fait du bien de sortir un peu de Midgard, n'est-ce pas ? Tiens fort ! Attention ! Dans les airs ! Mon frère,
La tour doit déborder de matériaux qui nous seraient utiles. Nous devrions en profiter pour nous rendre au passage. Les nains ont accepté le pacte avec Asgard. Pourquoi ils t'en veulent ? Je les ai conduits à leur exploitation. C'était leur choix. Creuse ou crève, ce n'est pas un choix. Je l'ai seulement présenté comme tel. Comment c'est tout, le jour. Je les ai fait construire afin d'extraire du minerai pour l'armement, privant ainsi les nains de ressources qui auraient dû leur revenir. Si on arrête ces tours, les nains retrouveront leur indépendance? Je l'ignore, mais je dois faire quelque chose. Tu crois que cette grue marche encore? Il y a une autre tour de forage sur cette île, mon frère. Tu sens cette fumée ? Pourquoi les nains avaient-ils accepté de travailler pour les As ?
C'est là le cœur du problème. Tu leur as menti. Je leur ai menti. Si les nains n'aimaient pas travailler pour Asgard, pourquoi ne pas arrêter? Et ensuite, leur nouvelle forge empoisonnait les sols de Svartalfheim. Dans l'incapacité de cultiver leur nourriture, ils devaient l'acheter à Asgard. S'ils avaient arrêté de travailler, ils se seraient ôté le pain de la bouche. Oh, c'est rusé. Et affreux. Yggdrasil pour Muspelheim. Tu crois qu'elle mène à l'arène de combat qu'on a vue la dernière fois? Qu'est-ce qui te fait dire ça? Je crois que j'aimerais bien. Relever le gantelet de Surt, c'était amusant. C'était de l'entraînement. Tu ne t'es pas amusé? D'accord. Bien. Nous devrions trouver la seconde moitié de la graine. Quand elle sera à nouveau complète, nous verrons où elle mène. Génial, il faut traverser maintenant. Elle nous envoie ses calamités sans aucune retenue. Il nous suffit d'éliminer. Sur ta droite. Derrière toi, mon frère. Derrière toi! Regarde!
va bien, Mimir? Pour les forgerons de Svartalfheim, la création d'une arme est un acte sacré. Mais Odin voulait simplement le plus grand nombre de lames possible, et le plus vite possible. À chaque ressource extorquée, chaque piètre lame forgée, les nains perdaient un peu d'eux-mêmes. Ce que tu viens de ramasser, c'est du minerai pur de Svartalfheim. Il ne servira plus à rien ici, mais peut-être que les frères Uldre sauront quoi fabriquer avec. Toujours moral de tuer une créature qui cherche à te tuer. Oui. Tu as ta réponse, petit.